Assalamu alaikum les amis. As salam, as salam, salam, salam. Bienvenue sur la page jeune visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée. <coughs> Bienvenue mesdames et messieurs. J'espère que vous savez déjà ce que vous devez faire une fois connecté. Je n'ai pas besoin de vous le répéter maintenant. Vous êtes des, des habitués de la page jeune visionnaire. Bonjour mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises. Que vous soyez aux États-Unis, en Europe... En Chine, en Afrique, un peu partout, puisque nous n'avons pas les mêmes horaires. Donc, euh, recevez mes salutations euh, les plus humains. Ce soir, je me fais le devoir de vous faire euh, ce live avec trois bons sujets. Alors avant d'entamer le live, comme vous le savez, il y a toujours des critiques et des suggestions dans mon inbox. Je jette des fois coup d'œil sur ces critiques et suggestions. Ça me permet d'avancer, ça me permet de m'enrichir. Ça me permet aussi d'être en contact avec vous parce que vous êtes nombreux à m'écrire dans mon inbox. Les premières critiques qui me sont adressées avant d'entamer ce live, je vois de nombreuses personnes qui disent Monsieur Kanté, pourquoi vous n'adhérez pas à un parti politique si vous êtes tant visionnaire, vous pouvez être utile à un parti politique. Vous êtes un homme réfléchi. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre position définitive vis-à-vis d'un parti politique en République de Guinée Vous dites que vous êtes impartial, mais quand on vous entend parler chaque fois, on a l'impression que... Vous êtes beaucoup plus euh, UFDJ que RPJ ou euh, du PDN ou d'un autre parti politique de la République de Guinée. Alors dites-nous réellement, vous optez pour quel parti politique Ce sont des critiques qui me viennent souvent. Deuxièmement, il y en a qui me disent aussi, M. Kanté, euh, vous êtes certainement malinqué. Pourquoi vous ne pouvez pas faire vos lives en Malinke. Pourquoi Ou certainement, vous savez parler en polar. Pourquoi vous ne faites pas en polar Ou certainement en sous, -sous Pour aller cueillir beaucoup plus d'avantages. Plus de personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Alors, je retiens beaucoup ses critiques et ses suggestions. Pour euh, la première critique qui euh, porte sur euh, mon choix ou mon adhérence euh, ou ma, mon, mon adhésion à un parti politique, j'aimerais vous dire que être militant sympathisant d'un parti politique n'est pas une chose euh, pour des hommes beaucoup plus avertis et connaisseurs ou observateurs de la politique, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la hâte. C'est le fruit d'un long travail, c'est le fruit d'une longue réflexion, c'est le fruit d'une longue méditation. Parce que être militant sympathisant d'un parti politique, c'est comme si vous effectuiez un mariage. Pour nous, pour moi particulièrement. Parce que vous savez, moi je ne veux pas être seulement le militant parce que je suis malinqué. Je ne veux pas être le militant parce que je suis peul. Je ne veux pas être le militant parce que l'émotion. Je ne veux pas être le militant parce que, parce que, parce que, parce que. J'ai des objectifs à atteindre. J'ai des ambitions. J'ai une réflexion à faire. Et si je dois adhérer à un parti politique, il faudrait que ça émane de la réflexion, d'une très grande réflexion, très longue réflexion, pour ne pas regretter mon choix et pour ne pas faire de n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où on est engagé dans un parti politique, nos libertés individuelles, c'est-à-dire ma liberté d'expression, d'expression, ma liberté de, de très grande expression est réduite. Parce qu'aujourd'hui, si moi je dois adhérer à un parti politique, certainement je ne serai pas seulement le simple militant sympathisant. Il me serait confié quelques tâches dans ce parti politique. Et alors, je ne peux plus avoir cette grande liberté d'expression, cette large manœuvre d'observation et de et de parole sur les sujets concernant la République de Guinée, y compris de ce même parti politique. Ceci dit en passant. Donc, pour satisfaire mes nombreuses ou euh, toutes ces nombreuses personnes qui M'envoie souvent ces messages. Sachez tout simplement que M. Kanté n'est pas encore prêt. Pour l'instant, sur la toile, je me contente de ce travail de, de sensibilisateur et d'éveil de conscience. Je pense que ça me va pour le moment. Le temps nous dira après. Deuxième question ou deuxième suggestion que les gens font souvent, à mon égard, je m'aimerais simplement vous dire que ce travail que je fais, cet éveil de conscience, de sensibilisation que je fais, ce n'est pas seulement une question de vue. Parce que si aujourd'hui je m'exprimais en poulard ou en soussou ou en malinqué, certainement je serais. Euh, largement suivi par euh, la langue dans laquelle je vais dorénavant m'exprimer pour faire passer mes messages. La majeure partie de mes abonnés viendront effectivement de cette langue avec laquelle ou à travers laquelle je vais m'exprimer pour m'adresser à mon peuple. Alors. J'ai choisi comme langue française parce que c'est la langue nationale de la République de Guinée. J'ai choisi comme langue française. J'estime que même si on n'est pas allé à l'école, la plupart des Guinéens comprennent au moins quelques mots en français. Et si moi, en tant que sensibilisateur, je dois m'adresser à ce peuple, je vais m'adresser dans cette langue qui permet aux gens de circuler librement en République de Guinée ou d'échanger avec les autres. Donc, ceux qui veulent que je fasse, mais là il va Ceux qui veulent que je fasse, mais là il va en poula, Ceux qui veulent que je fasse, mais là il en sous, sous Je pense que vous devez simplement vous contenter de ce que je suis en train de faire en français, parce que parler en français, le peuple. Le Malinqué, le Soussou, le Garzé, le Thomas, tout le monde comprend quelque chose. Même si tout le monde ne comprend pas la quasi-totalité de mes discours, mais tout le monde comprend quelque chose. Si je m'exprimais en poula, ceux qui ne comprennent pas le poula et qui comprennent le français, qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, essayez, s'il vous plaît, faites un effort de comprendre cette manière de Monsieur Kanté. C'est un choix. Je l'assume et je voudrais que vous m'accompagniez dans ce processus. Ceci dit, en passant, il y a d'autres remarques, d'autres critiques et d'autres suggestions. Certainement, je vais relever au fur et à mesure que je vais naturellement faire mes lives à venir. Le sujet d'aujourd'hui porte sur trois. Nous avons trois sujets. Monsieur Selou Dalen est désigné finalement porte-parole de CPP, Coalition des partis politiques de la République de Guinée, même si évidemment il faut noter que ce pas tous les partis politiques qui sont dans cette très grande coalition CPP. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui a été unanime sur le choix de Selou. Il y en a qui se sont abstenus, c'est-à-dire. Ils n'ont pas, pas été pour et contre. Ils se sont justement abstenus. Alors, ce choix de M. Sirudal-Njali en tant que porte-parole de la très grande coalition des partis politiques, ça veut dire quoi Quel est son rôle Qu'est-ce qu'il doit faire et ils se sont basés sur quoi pour porter le choix sur la personne, sur la modeste personne de céloudalon Diallo Je pense que même les présidents des partis politiques ou des autres partis politiques, parce que céloudalon Diallo lui aussi, il est le président d'un parti politique et d'une alliance, l'ANADA. Je pense que... Même pour les présidents de ces partis politiques, ils ont compris la logique. Ils ont compris la nécessité de prendre cet homme et de le placer là. Vous comprenez, mesdames et messieurs, de le placer là, porte-parole de CPP. Alors, le porte-parole ne veut pas dire président pour ceux qui ne comprennent pas du tout le français ou ceux qui ne comprennent pas ce rôle. Il n'est ni de près ni de loin président de cette coalition. D'ailleurs, cette coalition CPP n'a pas besoin de président. C'est l'union des partis politiques de la République de Guinée. Et pourquoi cette union Cette union a été créée dans l'objectif de faire face aux militaires et de faciliter les choses pour ne pas qu'ils aillent en rang dispersé vers les militaires au pouvoir. C'est l'objectif. C'est simple que ça. Il n'y a pas autre idée politique là derrière. Ça ne représente absolument rien. Ces loups n'a aucun pouvoir sur les autres. Les autres aussi n'ont aucun pouvoir sur ces loups. Tous les partis politiques restent des partis politiques. Les coalitions restent les coalitions. Les alliances restent les alliances. Mais ils ont juré nécessaire que si nous restons comme ça en tant qu'acteurs politiques, sachant très bien que la transition est purement politique, ce n'est pas culturel encore moins euh, social ou économique, c'est purement politique, c'est nous les acteurs politiques, nous devons nous lever. Nous devons mettre la main dans la patte pour essayer de faciliter les choses pour nos enfants qui sont aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Il ne faudrait pas que nous les compliquions les tâches. Il ne faudrait pas que demain ou après-demain, nous nous levions et que nous commencions des grèves incessantes pour dire que les militaires ne veulent pas quitter au pouvoir. Nous devons nous donner la main, conjuguer en même verbe et aller vers eux. Le colonel Madi Doumbouya et son CNRD, l'armée à, la, à la tête de la République de Guinée. Pour qu'il sache dorénavant que, en tant qu'acteur politiques, nous avons décidé de conjuguer un même verbe. Sinon, en temps normal, les acteurs politiques ne sont pas faits pour s'entendre. Quand je dis temps normal. Si c'est pas ce régime exceptionnel, si c'est pas l'exceptionnalité de ce régime à la tête de la République de Guinée, les acteurs politiques, les partis politiques ne sont pas faits ni de près, ni de loin pour s'entendre. Ça, c'est partout dans le monde entier. Les acteurs politiques sont faits pour se haïr. Ce sont des adversaires. Ce sont des gens qui visent le pouvoir. L'UFDG vise le pouvoir. Le PDN vise le pouvoir. Tout le monde a sa stratégie, tout le monde a sa politique, tout le monde a sa manière, tout le monde a sa lutte afin d'accéder au pouvoir. Et donc, je tiens à vous rassurer que si un parti politique aujourd'hui avait la capacité d'anéantir complètement les autres et de bien se positionner à la conquête du pouvoir, il l'aurait fait. Donc, les partis politiques ne sont pas faits pour s'entendre. Ce sont des adversaires sur le terrain. Ils ne s'admirent pas, ils ne s'aiment pas. L'amour n'existe pas entre les partis politiques. Et ça se comprend. Ce n'est pas seulement la Guinée, c'est partout dans le monde entier. Partagez le live. Alors, s'ils ont décidé, ils ont décidé, autant pour moi, de créer cette harmonie et de travailler ensemble, c'est pour faciliter la chose, la transition aux Guinéens la transition pour le colonel Mamadi Djumbuya parce que le colonel lui-même sait que sans les acteurs politiques, il n'y a pas de transition. Sans l'entente aujourd'hui entre les acteurs politiques, la transition est bâclée. Parce que qui dit transition dit simplement hein, activité politique. La transition est organisée pour eux. C'est pour que on organise les élections, c'est pour que on fixe la durée de la transition. C'est pour qu'on écrive une constitution et c'est pour qu'on ait un président issu des urnes. C'est tout simplement que ça. Alors, c'est l'Oudalendialo désigné en tant que porte-parole de cette très grande coalition. Je l'ai si bien dit. Je dis, ce n'est pas tous les partis politiques qui se sont regroupés là. Non. Ce n'est pas toutes les coalitions qui sont d'accord. Mais, on dit... Coalition des partis politiques, les partis politiques concernés, il n'est que porte-parole des partis politiques concernés. Les autres ne sont pas là-dedans. Comprenez cela. La précision est très bonne à apporter. Alors, Seloudalin, en tant que porte-parole, il ne fera que traduire ou dire ce qui sera décidé dans cette coalition. C'est justement son rôle, c'est justement son travail il n'a plus rien à faire, plus rien d'autre à ajouter. C'est qu'ils vont décider entre eux les réunions éventuellement qu'ils vont faire à l'avenir, ce qu'ils vont se dire entre eux. Ce qui va être arrêté entre eux là, c'est lui qui va porter, c'est lui qui va prendre cette lettre là et c'est lui qui va lire, c'est lui qui sera la voix, la parole de cette grande coalition. C'est ce que ça veut dire. Alors s'il n'est pas là, il y a un vice. C'est Madame Makale, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il est en voyage, Monsieur Céludalendialo. Et celle qui a passé le message, après c'est c'est elle. Vous avez vu tout simplement ce qu'elle a dit. Elle a dit ce qui a été décidé entre eux. C'est ça, le porte-parole. Ça veut rien dire d'autre. Rien dire d'autre. Il n'y a rien de spécial. Il n'est pas président. Il n'est pas quoi que ce soit dans ça-là. Mais pourquoi ce choix sur la personne de ces loups Je pense qu'ils se sont penchés sur beaucoup de choses. Même si, évidemment, ça ne veut rien dire, ce n'est qu'une organisation entre les partis politiques. Mais je crois qu'ils se sont basés sur un certain nombre de choses la valeur de l'homme, le combat de l'homme, la crédibilité de l'homme. Et. Les acteurs politiques de la République de Guinée sont aussi conscients entre eux, c'est-à-dire que ce qu'ils se disent entre eux et non devant euh, le peuple, ce qu'ils se disent entre eux dans leur famille, ils sont conscients du poids de Celula diallo Je crois qu'ils ont dû réfléchir longuement pour dire porte-parole, ça veut absolument rien dire. On est d'accord. Mais Selou Dalen Diallo serait la personne idéale aujourd'hui en République de Guinée. Je ne parle pas de demain. Mais aujourd'hui en République de Guinée, Selou, c'est la personne idéale pour être porte-parole. Oui. Il a la gestuelle. Il a l'intelligence. Il a le verbe facile. Il est représentatif. Ça veut rien dire. Tout ce que je suis en train de dire. C'est une réalité, c'est pas des compliments. Vous le savez très bien. Et je vais même très loin pour dire c'est nous peut-être un très grand facilitateur. Alors ça c'est un autre rôle. Ça n'a rien à voir avec le porte-parole là. Il peut être un très grand facilitateur entre les acteurs politiques et les acteurs au pouvoir, les militaires au pouvoir. Parce que je ne vais pas avec le dos de la cuillère pour vous faire comprendre cela. Je vais aller terre à terre pour que vous compreniez. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, pour mieux faciliter les choses, il a besoin, je ne parle pas de tous les acteurs politiques, il a besoin de la cohésion, il a besoin de l'harmonie entre lui, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Et céloudal en tant que président de l'UFDG et de l'ANAD, et non porte-parole de cette coalition, je dis bien, en tant que président de l'UFDG et de l'ANAD. Le colonel n'est pas fou. C'est pourquoi ceux qui tentent de créer un problème entre Céloudal-Engialo et le colonel, je me dis, vous n'avez absolument rien compris. Le colonel n'est pas fou. Le régime Alpha Condé... Le colonel était présent et il a compris que Alpha Condé s'est trompé d'adversaire. Le fait qu'il a pris ce poids lourd et qu'il l'a mis dans son dos, ce poids lourd, Cieloudallencialo, il l'a mis dans son dos. Il s'est trompé d'adversaire. Le colonel n'est pas venu pour se créer des adversaires. C'est un militaire qui a des Kalachnikovs qui a l'armée. Mais le peuple est plus fort que les Kalachnikovs. Le peuple est plus fort que l'armée la plus puissante au monde entier. Le colonel n'est pas venu pour se créer des ennemis. Il n'est pas venu pour se créer des adversaires. Il n'est pas venu pour se mettre les acteurs politiques dans son dos. Il n'est pas venu pour faire face à un, à, un, à un poids lourd. Vous savez, lors de leur passage, les acteurs politiques devant le colonel Mamadi Djumbouya, il y a un message qui a beaucoup attiré mon attention. Parmi tous les acteurs politiques qui se sont succédés devant lui, les petits discours qu'ils ont tenus là. Il y a un discours d'un acteur politique qui a beaucoup, beaucoup attiré mon attention. C'est M. Sidi Atouré. Quand M. Sidi Atouré a dit: Ne lâchez pas, tout ça est fragile. Il a répété deux mots, deux fois le mot. Il dit, tout ça est fragile. Je pense que les hommes réfléchis ont compris. Et je pense que le colonel lui-même, à l'instant où M. Sidiatouré a dit, ne lâchez pas, tout ça est fragile, il s'est effectivement, c'est-à-dire, ça a traversé sa, sa, son corps entier. Il a pensé effectivement le jour que lui-même, il a décidé d'aller déposer Alpha Condé. À l'instant là même, c'est-à-dire... D'un jour à un autre, Alpha Condé est passé de vie à très bas. C'est ce que Sidia a tenu à rappeler au colonel en disant Ne lâchez pas, tout ça est fragile. Il parle du pouvoir. Il dit c'est fragile. Et le colonel a dû comprendre que ce que Sidia dit, c'est vrai. C'est pourquoi, colonel Mamadi Djumbuya, je crois qu'il ne veut pas répéter les mêmes erreurs que Dadis, les mêmes erreurs que Sekouba, les mêmes erreurs que Alpha Condé lui-même. Il est très bien conscient de la grandeur du peuple. Il est très bien conscient de la motivation du peuple. Il est très bien conscient de la prise de conscience du peuple. Il est très bien conscient de la prise de conscience de la jeunesse guinéenne. Et il sait aussi, il est très bien conscient aussi de la détermination du peuple. Parce que lui-même, il était là quand le peuple se mobilisait dans les rues, quand le peuple faisait face à la dictature d'Alpha Condé, quand le peuple bravait la mort pour empêcher le troisième mandat d'Alpha Condé. Lui-même, colonel, en tant que militaire cadré chevronné, il était là. Certainement, il a dû se poser mille questions. Comment des gens démunis de tout pouvoir, matériel, c'est-à-dire nous coffre armes blanche. Chaque fois, descendre là dans la rue pour effectivement empêcher un troisième mandat. Comment C'est-à-dire, ils sont animés par quelle, par quelle énergie, par quelle puissance, par quelle force, ils sont animés par quoi À chaque fois, ils sont là, à chaque fois qu'on tire, à chaque fois qu'ils sont là, à chaque fois qu'on tire, à chaque fois qu'ils sont là. Je crois que le colonel Mamadi Doumbouya, il est très bien conscient de cela. Et je pense qu'il ne veut pas se mettre quelqu'un dans son dos. C'est pourquoi je dis, Céludalindjelo peut être un très grand facilitateur entre même les acteurs politiques et le CNRD. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Et je sais aussi que le colonel Ondji Dumbuya, lui-même, il pense, il comprend la nécessité de travailler dans l'harmonie avec Céludalindjelo. Je sais parfaitement, il est conscient de cela. Je ne parle pas de tous les acteurs politiques, mais je parle de Silou Dalendiallo. Parce que, c'est que vous devez savoir le seul acteur politique qui a, c'est-à-dire, qui a donné de, euh, 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 du fil à rétor à Alpha Condé, le seul acteur politique qui a constitué, à un moment donné, l'insomnie d'Alpha Condé, c'était effectivement, Célou Ludelin Et Alpha Condé, jusqu'à dans sa tombe, il va pas comprendre cela. Oui, Alpha Condé, jusqu'à dans sa tombe, jusqu'à l'au-delà, il se dira, j'ai fait une erreur. Pourtant, c'est pas une erreur. Ouais. Parce que moi, quand je l'ai dit, j'ai dit, monsieur le président, vous vous êtes trompé d'adversaire. Vous vous êtes trompé d'adversaire. Vous avez minimisé la force de Seloudal Njalo. Vous avez vu un premier ministre ou un ministre des Travaux publics devant vous. Vous n'avez pas vu un politicien chevronné, un politicien déterminé, un politicien. Euh, C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je veux dire même Vous n'avez pas vu un politicien calculateur devant vous. C'est le mot, un politicien calculateur devant vous. Vous n'avez pas vu une force de frappe beaucoup plus grande devant vous. Vous avez vu la personne physique de ces loups. Et c'est ce qui vous a trompé. Le colonel ne va pas faire la même chose. Et d'autres me diront que oui, le porte-parole, porte-parole là, c'est une stratégie des acteurs politiques. Vous pensez que ces loups d'Alain aussi n'est pas. Dans cette stratégie des acteurs politiques. Vous pensez aujourd'hui sur la scène publique, sur la scène politique guinéenne, vous pensez qu'il y a un acteur politique qui est capable d'amadouer celui Diallo <laughs> Vous rêvez. Vous vous trompez. Alpha Condé, de par ses politiques, de, sa, de par sa manière diabolique, de par ses politiques euh, 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 machiavéliques, de par ses politiques mauvaises. Il a fait de ses loups l'un des politiciens les plus rusés de la République de Guinée. L'un des politiciens les plus rusés de l'Afrique. Oui, il a fait de ses loups l'un des politiciens les plus réfléchis. Et l'un des politiciens aujourd'hui qui est capable de s'adapter à tous les climats. Tout, je dis bien à tous les climats. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Selou, en parlant désormais, il peut dire devant n'importe qui, j'ai fait la prison. En tant qu'acteur politique, j'ai fait la prison. Aujourd'hui, on est en train de parler de prison d'Alpha Condé. Résident surveillé, c'est une prison. Selou peut dire devant n'importe qui, j'ai fait la prison. Devant n'importe qui, j'ai été humilié. Devant n'importe qui, j'ai été bafouillé. Devant n'importe qui, je n'ai pas réclu. Je n'ai pas reculé devant la dictature d'Alpha Condé. Il peut dire devant n'importe qui, pendant que vous fuyez, moi j'étais là. La machine répressive d'Alpha Condé était contre moi. Il peut le dire devant n'importe qui. Et tout le monde peut en témoigner. Il a autre chose à dire. Je ne vais pas répéter ça ici. Alors, vous devez comprendre, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, que... C'est bon d'être porte-parole. Il a aussi son mot à dire. C'est pour la réussite de la transition. Oui, la bonne réussite de la transition. Parce que depuis le 5 septembre qu'on a fait le coup, tout le peuple de Guinée a applaudi le colonel Mamadi Doumbouya. On était content, on est d'ailleurs content. Mais après cette euh, béatitude-là, ce moment de joie, toutes les forces vives de la nation. Toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, tout le monde est braqué sur une force spéciale. La force spéciale, c'est quoi C'est les acteurs politiques. Ça, à eux revient le dernier mot. C'est à eux revient effectivement ce travail de transition. La transition, c'est pour eux. Jeunesse, tout ça là, c'est des, des compléments. Mais la transition, c'est pour des acteurs politiques. Tout le monde est assis, on regarde les acteurs politiques. Alors, mesdames et messieurs, écoutez très bien. On parle de composition de CNT. On parle de durée de transition. Ce qu'il faut savoir, la composition de CNT, Conseil national de transition, ce n'est pas pour tout de suite. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit aux acteurs politiques. Allez-y, amenez-moi quelque chose dans les plus brefs délais. Ouais, il y a un jeu là, il y a une stratégie là. Et ce que vous devez comprendre, plus le temps passe, le temps qui passe là, c'est en faveur du CNRD et non en faveur des acteurs politiques. Parce que le jour qu'on va finir de composer le CNT, ce n'est pas ce jour qu'on va définir la durée de la transition. Non. Le CNT va s'attarder sur d'autres activités, d'autres travaux. L'écriture la, la, de la Constitution. Est-ce que le CNT mis en place va tout de suite déterminer la durée de la transition Non. Ça va demander aussi une autre procédure, des rencontres et des rencontres. Alors, moi, je ne vois pas en cette année ou d'ici la fin de cette année-là, la durée de la transition fixée. Et celle-là, ça va chauffer. Parce que quand on va fixer la durée de la transition, la durée de la transition va prendre en compte le jour que Alpha Condé a été délogé, ou bien le, la durée de la transition sera fixée à partir du moment où le CNT sera mis en place, ou à partir du moment où le CNT va statuer sur la durée de la transition. Ça va, le compte va commencer ce jour-là, c'est-à-dire même si le colonel fait maintenant, le CNRD fait... Une année à la tête, c'est-à-dire jusqu'en 2023. Même si le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes font passe cette année à la tête de la République, le jour qu'on va, qu va mettre le débat de la durée de la transition sur la table, on va prendre en compte les une année passée ou bien on va, prendre, on va commencer juste en 2023 C'est là la grande question. Quand on va dire deux ans de transition, deux ans de durée de transition, ça sera plus les une année passée. Ou bien les deux ans commenceront au jour qu'on va fixer la durée de la transition. En ce moment, ça sera trois ans de transition. Et tout cela va effectivement en faveur du CNRD. Et c'est que les acteurs politiques craignent. Les acteurs politiques craignent que le colonel Mamadi Doumbouya ne prenne goût du pouvoir. Parce que le pouvoir, le pouvoir rend aveugle. Le pouvoir embête l'homme. Le pouvoir, comme certains le disent, est très doux. Mais la douceur du pouvoir, c'est les hommes réfléchis qui comprennent cela. Ils savent que la douceur du pouvoir n'est que quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui est passant. Il faut faire ce qui est nécessaire. La vraie, la vraie douceur du pouvoir. En tant que militaire à la tête de l'État, c'est d'organiser les élections et aller tranquillement. Vous allez profiter du pouvoir, parce que à partir du moment où vous allez quitter là à la tête de l'État, vous avez un autre pouvoir que le peuple vous donne, le peuple vous confère, le peuple vous reconnaît, et c'est ce pouvoir qui est le plus intéressant, le plus doux, parce que à chaque fois qu'on parlera de vous, on dira grâce à vous nous sommes aujourd'hui dans cette situation qui est positive. Ça, c'est un pouvoir. Et c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya doit voir. Il ne doit pas voir le pouvoir aujourd'hui qui est sous, c'est-à-dire sous sa main, non. Mais le pouvoir que le peuple, le, le peuple va le donner demain. C'est ce pouvoir-là qui va effectivement être beaucoup plus doux. C'est pourquoi Sidi a dit tout ça est fragile. Ne lâchez pas. Je pense que vous avez compris ce poste ou ce rôle de porte-parole-là. Maintenant, je vais aborder un autre volet du même sujet. Parce qu'on parle politique. Je dis effectivement quels seront ou quels sont ou qui est aujourd'hui le potentiel adversaire de Séroudal Diallo en tant qu'homme politique, des, dans des, des élections ou euh, qui sera le potentiel adversaire de Céroudal Diallo dans les dans les élections présidentielles à venir, c'est-à-dire l'élection présidentielle qui sera là, là, fixée euh, effectivement après euh, euh, la composition du CNT, l'organisation qui sera faite. Qui est aujourd'hui son adversaire potentiel Qui peut aujourd'hui faire face à ces loups Qui peut l'effrayer sur la scène politique Qui peut l'empêcher d'être... Vainqueur de gagner ces élections et d'être démocratiquement élu président de la République de Guinée. Qui est sous le poids lourd aujourd'hui Qui est son adversaire Est-ce que c'est Sidia Est-ce que c'est Lansana Kouyaté Est-ce que c'est Mamadou Silla Est-ce que c'est Baouri Est-ce que c'est Makanera C'est qui Mesdames et messieurs, ne vous trompez pas. Le véritable adversaire de Selou jalo il est en Guinée. Et c'est un adversaire redoutable. C'est un adversaire qui ne dit pas son nom. Et ces est conscient de la grandeur. Il est conscient de la complexité. Il est conscient de l'intelligence. Il est conscient du poids de son adversaire. Il est très bien conscient de cela. Je vais vous dire le nom de l'adversaire de Selou Dalendialo. Le premier redoutable adversaire potentiel de Selou Dalendialo lors des élections présidentielles en République de Guinée, c'est en premier lieu l'organisation de l'élection elle-même. L'organisation de l'élection elle-même présidentielle. Il est le premier adversaire de Selou. Quand est-ce qu'on va organiser les élections présidentielles? Quand est-ce? Quand est-ce qu'on va fixer, c'est-à-dire la date de l'organisation des élections? C'est le premier adversaire de ces loups. Et le deuxième redoutable adversaire politique de ces loups c'est la transparence dans les élections. La transparence. Le combat contre le fraude. La transparence. Le troisième véritable adversaire politique de Seloud Diallo dans les élections présidentielles en Guinée à venir, là, effectivement, c'est le résultat qui sera issu des urnes. Et le quatrième, c'est la proclamation des résultats la proclamation du nom du vainqueur issu des urnes je pense que les hommes parmi vous les femmes parmi vous les plus intelligents ont compris le message que je viens de passer mais je vais détailler l'organisation des élections quand ça sera fixé là ça sera une première victoire de Cyril Dallinjalo la tenue des élections sera une première victoire sur son adversaire, l'organisation des élections. Ce premier adversaire, c'est l'organisation des élections. D'accord La transparence, quand il y a, si réellement, si réellement le colonel Majid Doumbouya, comme il le dit, la transparence, l'élection démocratique, si réellement ils mettent de la transparence dans les élections, ça sera une deuxième victoire pour Séludal Enjalo. La transparence. Il aura combattu la transparence. D'accord Le résultat issu des urnes, ça sera son troisième adversaire politique. Le résultat issu des urnes. C'est-à-dire que le résultat qui sera tiré là, qui sera sorti là des urnes, qu'on dise cela qu'on fasse, qu fasse la sommation de ces résultats et qu'on reconnaisse ces résultats. C'est-à-dire la finalité de ce travail. Récolter les billets de vote au comté, le résultat qui sera issu des urnes, là, qu'on reconnaisse cela, ça sera une troisième victoire. Il aura combattu complètement un troisième adversaire. Maintenant, l'adversaire le plus compliqué, l'adversaire le plus terrible, L'adversaire le plus complexe, l'adversaire le plus difficile à battre pour Seroudal effectivement, ça sera la reconnaissance de ce résultat et la reconnaissance du vainqueur de ce résultat devant le public guinéen. Parce que c'est là tout ce travail. C'est là. Alors. Je viens de vous citer les adversaires potentiels de Seloud al C'est pas Sidia. C'est pas Lansana Kouyaté. C'est pas Mamadou Mama Silla. C'est pas Baouri. C'est pas Dr. Ousmane Kaba. Ce n'est personne d'autre que ce que je viens d'énumérer là. Parce que ce sont ces adversaires là qui ont longtemps joué sur Seloud al depuis 2010. L'organisation des élections. Les résultats issus des urnes, la proclamation des résultats, le nom du vainqueur issu des urnes, c'est là. Ça a été les adversaires de ces loups. Toutes ces manipulations-là, ils ont été les adversaires de ces loups. Et c'est ce qui l a empêché à l'a empêché d'accéder à la tête de la République de Guinée. Alors, qui sera derrière ces adversaires de ces loups pour les amplifier Qui Ça sera effectivement... Le colonel Mamadi Doumbouya et son administration qui vont organiser ces élections, qui vont donner les résultats issus des urnes et qui vont effectivement donner le nom de la personne, c'est-à-dire le nom du vainqueur issu des urnes et qui vont reconnaître cette transparence. Ça sera à eux de faire ce travail. Ça sera à eux de donner le bon résultat, ça sera à eux de donner le mauvais résultat. Ce sera à eux de manipuler les résultats. Ce sera à eux de ne pas manipuler les résultats. Ce sera à eux d'éviter toute, euh, toute situation euh, désastreuse en République de Guinée. Ce sera à eux. Sinon, tout le monde sait, toutes les personnes réfléchies savent qu'aujourd'hui, demain, on organise les élections en tant qu'acteurs politiques entre eux. Aucun ne fait le poids devant ces loups. Aucun. Il n'y en a pas. Tout le monde le sait. Même Alpha Condé lui-même, il le sait. Le colonel Mamadi Doumbouya, lui-même, il le sait. Ceux qui travaillent autour de lui, colonel Mamadi Doumbouya, ils le savent. L'armée elle-même sait. Les religieux savent. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un acteur politique qui pèse beaucoup plus lourd que c'est là Il n'y en a pas. Le poids électoral, il n'y en a pas. C'est une vérité absolue. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. C'est la nature des choses. Il n'y en a pas. C'est lui qui a battu le pouvoir en place. Qui est plus fort que ce dernier? Vous devez accepter la vérité. Ouais. Même ses adversaires d'hier, le RPG arc-en-ciel, s'ils sont véridiques, Billah Si Kassouri est un homme honnête, les mamans, les. les, 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 les les, les Mamadou, euh, Amadou Damaro, s'ils sont honnêtes, véridiques, devant leur créateur, ils diront que oui, Célou a gagné des élections en Guinée. Ils le diront. Ils diront que oui, le RPG ne pèse pas devant Célou. Il n'y en a pas, il n'y a pas un acteur. Alors si le RPG ne représente rien, si le poids du RPG ne représente rien devant l'UFDG et son président, c'est qui d'autre, quel parti politique mais vous allez comprendre ça un jour. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous allez comprendre ça demain. inshallah C'est une vérité absolue. Absolue. Qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité absolue. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu la rentrée de en Aquiaté. La fois dernière, j'ai voulu me prononcer là-dessus. Mais un autre sujet m'est tombé dessus. Monsieur Lansan c'est un mélanger de tout. Lansan qui était ici à Paris depuis tout ce temps qu'Alpha Condé était la tête de la République de Guinée. la qui a cédé, qui a compris que ce n'était plus la peine de continuer le combat. la l'homme de 2007. Lansana Kouyaté, l'homme de tous les miracles, en 2007. Lansana Kouyaté, qui a outil aussi l'imogé de la tête de la République de Guinée. Lansana Kouyaté, qui a donné sa voix à Alpha Condé en 2010. Lansana Kouyaté, qui a été trahi, selon lui, par Alpha Condé, parce que cette alliance entre PDN et RPG Arc-en-Ciel à l'époque s'est faite sur certains accords. Qui n'ont qui pas été respectés par Alpha Condé. L'Anson qui était dans le FNDC, je ne sais pas s'il est encore dans ce FNDC ou pas, je pense bien il est dans ce FNDC. L'Anson Akuyaté, qui a décidé de jeter l'éponge et laisser les autres acteurs politiques, y compris Seloud devant Alpha Condé, la dictature et tout ça. L'Anson Akuyaté, qui était tranquillement couché ici en France. L'Anson Akuyaté, qui, après ce coup. Retourne en Guinée, certainement pour aller remobiliser les troupes et essayer d'aller conquérir le pouvoir. Mesdames et messieurs, l'Anzanakuate, il est qui politiquement? Il a quel poids? Il peut avoir quel poids? Alors, nous allons commencer par les qualités intrinsèques de l'Anzanakuate. On sait très bien que c'est un intellectuel chevronné. On sait très bien que c'est un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire international. On sait très bien ce qu'il a fait en 2007 pour la République de Guinée. On sait très bien qu'il a été un bon premier ministre. Après, ça n'a pas marché entre lui et le clan. Là, ça n'a compté. On sait très bien qu'en 2010, il avait une certaine voix, il avait un certain poids politiquement. Mais après... L'ansanakouyaté est devenu qui? L'ansanakouyaté à quel poids aujourd'hui? Je vois un ansanakouyaté désemparé. Je vois un ansanakouyaté affaibli. Je vois un ansanakouyaté qui se cherche et qui est conscient de ce qu'il est, mais qui n'a aucun pouvoir. Je vois un ancien qui manque de crédit. Oui. Je vois un ancien qui a même du mal parfois à s'assumer devant les médias. Parce que, évidemment, il y a certaines questions qui lui sont parfois posées il a du mal à répondre à ces questions. Oui. Et je vois un parti PDN, un parti en lambeau, qu'on va essayer de reconstruire pour essayer de conquérir le pouvoir. Alors je ne sais comment. Et je me dis, est-ce que en Akouyaté va essayer de séduire les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les oiseaux migrateurs, est-ce que l'Anselme va essayer de les séduire par des discours Parce que je sais que le verbe, quand même, il en a. Je sais que l'attirance, attirer les gens, séduire les gens, à travers la langue, il y en a. L'ancien c'est le type d'intellectuels qui ont la langue beaucoup plus subtile que les autres membres de leur corps. Alors, mesdames et messieurs, l'ancien je me dis qu'il ne pèse pas lourd. Il ne pèse pas lourd. Mais est-ce que l'ancien et le RPG arc-en-ciel, ou avec Dr Ousmane Kaba, vont essayer de créer éventuellement une alliance politique hein, et essayer d'aller conquérir le pouvoir Certainement, parce que j'ai entendu des rumeurs. Je ne le dis pas au hasard, j'ai entendu des rumeurs. L'Ansana <coughs> sur la scène politique guinéenne, c'est-à-dire en République de Guinée, Lansanakuaté était un politicien qui n'a plus de crédit. Oui. Parce que le peuple se dit, l'Ansanakouate nous a laissés dans le navire qui coulait. Et Lansanakouyate, le capitaine, il s'est cherché. Il nous a laissé couler. Ou oh, il a pensé du moins qu'on allait couler. Mais finalement, grâce aux bonnes personnes, nous n'avons pas coulé. L'Asanakouate a profité, s'exilé. Et attendre la mort d'Alpha Condé ou attendre, effectuellement, éventuellement, ce qui vient de se passer, un coup contre Alpha Condé afin de rentrer en République de Guinée. La question qu'il faille se poser aujourd'hui, si Alpha Condé était encore à la tête de la République de Guinée, Lansana Kouyaté serait toujours à Paris. Lansana Kouyaté ne serait pas devant ses militants. Et le véritable homme politique de la République de Guinée, il serait où À l'occurrence, c'est Louda je pense que le peuple doit réfléchir. Le peuple doit euh, faire le bon choix. Ça sera très important pour le peuple. Le peuple doit faire un choix utile et non un choix ethnique ou un choix émotionnel. C'est très important. J'ai essayé d'analyser. J'ai essayé de voir beaucoup plus grand que ce que je suis en train de dire là. J'ai essayé de, de réfléchir. Mais en réalité, toutes mes réflexions sont centrées sur ce que je viens de dire par rapport à l'ancien Je l'ai beaucoup admiré pendant un temps. Oui, en tant que fonctionnaire. Mais en tant que politicien, je me dis, il s'est perdu. Il s'est franchement perdu. Et là, aujourd'hui, il a un parti en lambeau. Il essaie de se reconstruire. Mais c'est difficile. Alors, pensez-vous que l'ancien Acuaté peut gagner une élection présidentielle en Guinée Face à ces cadors sur la scène politique Pensez-vous même que Lansana Kouyaté peut remporter une élection devant M. Sidiatouré Ça sera difficile. Avant de parler de Serouda Lenjalo et de son, de son parti, ça sera très difficile pour Lansana Kouyaté. Pensez-vous même que Lansana peut gagner une élection face au RPG arc-en-ciel Je crois que ça va être très difficile. Très difficile pour Lansana Kouyaté. Mais. On verra bien. Mesdames et messieurs, partagez le live. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce qu'il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cela. Vous-même, vous êtes conscient de cela. Je ne vais pas essayer de coller quelque chose à l'ensemble qu'il n'a pas. Je ne vais pas essayer de le, de le revaloriser d'une certaine manière que. Ok, je ne vais pas le donner une certaine valeur que lui-même n'a pas sur la scène politique. Vous êtes mieux conscient de, de la situation de l'ensemble qu que moi. Même si, même si intellectuellement. Euh, il peut être un idole. Ouais, intellectuellement, de par sa vision des choses, il peut être un modèle. Mais politiquement, la Sanakuyate ne peut pas être une référence de M. Kanté. Oui, ça, c'est une vérité. Parce que moi, je veux de la constance dans le, dans le combat politique. Je veux de la présence de la, de, dans le combat politique. Je veux de l'influence dans le combat politique. Je veux la sérénité, la persévérance et la consistance, la ténacité dans le combat politique. Alors, je ne peux pas m'allier derrière un politicien qui fuit les responsabilités et qui a peur d'affronter une dictature, qui a peur d'aller en prison, qui a peur de l'humiliation. Je ne peux pas m'allier devant, derrière un tel homme. Et je crois que vous avez déjà compris. Parce que, moi, je ne peux pas être sur le terrain. Mon acteur politique, il est à l'étranger. Tous ceux qui l'ont fait ont regretté. Des gens se sont battus pour Alpha Condé pendant qu'il était à Paris. Parce que Lansana Kouyaté, évidemment, prendra exemple sur Alpha Condé. Mais ces militants du RPJ arc comment ils sont aujourd'hui Ils sont déçus. Ils sont dans la, dans la désillusion. Effectivement, ils sont complètement abasourdis. Parce qu'ils se sont battus pour quelqu'un. Qui a fui, qui n'a pas eu l'audace d'affronter les choses. Il venait effectivement pour les élections. Après les élections, il retournait à Paris. Je pense que Lance Anakouyaté a pris cette trajectoire d'Alpha Condé. Et je crois que les militants sympathisants de PDN, s'ils ne font pas attention, effectivement, ils vont le regretter un jour, sincèrement. Parce qu'il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en Afrique. Nous sommes des jeunes. Nous voulons la présence de quelqu'un. Nous voulons un acteur qui est devant nous. Un acteur ne peut pas rester à l'étranger, nous envoyer chaque fois de l'argent pour dire faire ceci, faire cela. Mais nous avons besoin de vous, vous qui êtes le référen la, la référence. Nous avons besoin de vous sur le terrain. Nous avons besoin de votre exemplarité. On le sait déjà, l'exemplarité d'un certain Sirudalendialo à, euh, à la République de Guinée. Bon, effectivement, euh, quoi qu'on dise, on dira toujours que M. Kanté, il parle en faveur de loups, Mais ce qui a été fait sur le terrain, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'a pas fui, il est resté là constant, tenace. On le traitait de naïf, mais il, était, il est resté là. C'est ce que le peuple retient de lui. On dira oui, mais il a. Oui, effectivement, il était là, il est resté là. C'est ce que le peuple retient au final. Oui. On a dit, oh bon, quoi qu'on a dit de lui, on l'a saboté, mais il est resté toujours là constant. Il a pensé que la Guinée, c'est sa maison, il ne doit aller nulle part. Si on doit l'emprisonner, qu'on l'emprisonne en Guinée. Il a tous ses biens en Guinée, il a tout, 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 tout en Guinée. C'est ce que le peuple retient. C'est pas moi, mais c'est ce que le peuple retient de lui. C'est tout, mesdames et messieurs. Alors, les amis, nous avons vu une forte délégation euh, malienne en République de Guinée. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et il euh, y a beaucoup de choses qui euh, sont là mêlées dans cette affaire euh, guino-malienne par rapport à la CDAO. Partagez le live. Et euh, cette délégation, forte délégation euh, malienne en Guinée, euh, des ministres composés d'un dans, dans certain certains, certains nombre d'officiers. Euh, moi, je me dis, euh, le fait que le colonel Mamadi Dumbuya euh, se tient aux côtés euh, du pays frère Mali, euh, je me dis, est-ce que le colonel euh, se tient aux côtés de ce pays en tant que pays ami de la Guinée, pays frère de la Guinée, ou bien en tant que frère d'armes qui, qui est aussi à la tête de la République malienne, ou bien tout simplement en essayant de prévoir un peu ou d'anticiper les éventuelles sanctions de la CDAO et essayer de construire un bloc avec le Mali, faire face aux éventuelles sanctions du Mali. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut dire là-dessus. Mais je crois que ça va renforcer beaucoup l'amitié, beaucoup la fraternité entre le pays, euh, le Mali et la Guinée. Je pense que il y a beaucoup de jeux politiques, beaucoup de stratégies qui sont euh, mises là-dedans. Et euh, moi, j'apprécie J'apprécie la vision du colonel Mamadou Doumbouya et la vision du colonel euh, euh, Asmi Kouita, effectivement, du Mali. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont besoin de s'épauler. D'accord Mali, la Guinée, Koïta et colonel, ils ont, bien, ils ont besoin de s'épauler. Il y a la nécessité aujourd'hui de travailler ensemble. Maintenant, ce qu'il faut prévoir, est-ce que la CDAO va élargir ses, ses, ses sanctions, du moins au niveau international Parce que dorénavant, euh, les pays qui ont fermé les frontières au Mali... Vous savez, le Mali n'a pas de port. Il n'y a pas de mer au Mali. Le Mali pense que c'est un pays qui est entouré comme ça par des pays. C'est un pays continental au milieu. Il n'y a pas de mer. Je pense que si le Sénégal ferme sa frontière et aussi d'autres pays, le Mali sera obligé d'utiliser le port de Conakry pour effectivement essayer de faire cette transaction. Alors c'est pourquoi je dis est-ce que la CDAO va étendre, expandre ces, ces, ces sanctions sur. La Guinée et le Mali, au niveau international aussi, pour dire, bon, écoutez, il ne faut pas traiter avec la Guinée, il faut faire ceci, les sanctions euh, au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne. Euh, je pense que ça va être difficile, mais les gens comprendront la nécessité euh, d'aider ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait pas qu'on combatte le Mali et la Guinée d'une certaine manière. Il faudrait qu'on soit très intelligent et beaucoup plus subtil, beaucoup plus diplo diplomate euh, dans cette... Euh, euh, lutte contre ces pays. On veut bien des civils à la tête des États. Mais comprenez aussi la nécessité de construire un État au Mali. Parce que ce que vous devez savoir, le Mali aujourd'hui est divisé. Il y a une partie du Mali qui échappe complètement euh, 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 au contrôle de l'État, de l'État, de, de l'autorité de Bamako. Et donc on a besoin de cette stabilité, on a besoin de construire un État au Mali. Je pense que la CDAO doit faire très attention parce que à force de mettre des sanctions sur un pays qui est aussi en difficulté, ça risque de péter sincèrement mesdames et messieurs. Et je crois d'ailleurs que la délégation euh, malienne qui est <coughs> actuellement en Guinée cette délégation est venue évoquer euh, certains euh, points, essayer de renforcer beaucoup plus euh, l'amitié même si éventuellement euh, ce qui a été dit là, c'est très costaud. Effectivement, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails pour étaler ça sur les réseaux sociaux. Non, 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 même si j'ai quelques informations, mais il faudrait comprendre, il faudrait que le peuple malien, le peuple guinéen euh, comprenne la nécessité euh, de ce travail ensemble, de ce travail dans l'harmonie, ce travail dans, dans la synergie, et de faire face effectivement aux sanctions euh, de la CEDEAO. Parce que euh, euh, la décision de la CDAO, ce n'est pas une décision qui est, une, qui est unanime. C'est-à-dire c'était ce n'est pas une décision que tous les activistes ou tous les hommes réfléchis ou tous les chefs d'État africains euh, okay, euh, sont d'accord. Hein? d'accord. C'est pas aussi une décision qui est saluée par les panafricains, effectivement, et même par certains Européens qui analysent la situation. Euh, beaucoup... Avoue qu'il y a une main très puissante de la France et de la communauté internationale, je parle de l'ONU et de tout ça, derrière ces sanctions qui s'alignent effectivement du côté de la CDAO pour mettre la pression afin de sanctionner le Mali. On voit aussi des intérêts politiques là-dedans. D'accord, les intérêts politiques, on sait bien la bataille entre la France, le Mali, la Russie. Il y a trop de choses qui sont mélangées là, trop de choses qui sont mélangées là. Et donc, si la CDAO ne se fait pas, ne fait pas attention, c'est ce que je, je ne cesse de dire. On, est, on, on risque de voir la dislocation, on risque d'assister à une dislocation de la CDAO parce que les gens ne vont plus se laisser faire, les gens ne vont plus se laisser marcher dessus. Et je pense qu'il faut aussi saluer la décision du colonel Madi Doumbouya, parce que quelque part aussi, c'est une manière d'anticiper, d'accord Parce que je sais que la CDAO va sanctionner la Guinée, ça c'est clair et net. Il ne faudrait pas qu'on s'attende à autre chose. La CDAO, la, les sanctions vont tomber sur la Guinée. Parce que moi, je crois d'ailleurs que quand on regarde un peu la charte de la CDAO, bon, comme c'est l'organisation elle-même qui demande à ce que les frontières soient fermées, Sinon, euh, la fermeture des frontières sont complètement interdites. Mais bon, on sait bien qu'Alpha Condé a fermé les frontières et la CDAO n'a absolument rien dit par rapport à cela. Et il y a beaucoup de choses quand même qui font que euh, les gens n'ont plus confiance à cette CDAO. Parce qu'Alpha Condé euh, a trahi la CDAO. Alpha Condé euh, a fait le dos rond à la CDAO en fermant la frontière guinéo-sénégalaise, la frontière guinéo-bissages, la frontière guinéo-léonaise. La CDAO n'a absolument rien dit. Absolument, la CDAO n'a pas branché mot. Et on est, on est resté euh, euh, impuissant face à cela. Et si je vois aujourd'hui euh, la même CDAO demander qu'on ferme les frontières, bien évidemment, le colonel Mamadou Djoumbouya a raison de dire qu'on ne fermera pas la frontière guinéo-malienne. Parce que, effectivement, Alpha Condé a fermé les frontières. Qu'est-ce que vous avez dit en tant qu'organisation? Vous n'avez absolument rien dit. Vous l'avez abscité, vous l'avez participé, vous l'avez vous l'avez accepté. Donc nous, on peut pas faire ce que vous demandez. C'est pourquoi je dis effectivement à ces vieux crocodiles de la CDAO de faire très attention. Parce que si le Mali et la Guinée décident de se donner la main, d'autres pays aussi sont prêts à, à suivre la même voie. Et par fini, on va récomposer la CDAO, on va... Et, 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 restructurer la CDAO, on va composer avec les réalités d'aujourd'hui. On ne va plus rester les bras croisés à attendre les décisions de la France ou des États-Unis pour vivre comme nous sommes. Nous, nous sommes des Africains. Nous, dois, nous devons composer avec nos réalités africaines. Et donc, la CDAO doit cesser. Et donc, euh, on va attendre un peu. <laughs> par rapport à cette délégation, parce que je sais que c'est une délégation aussi qui est venue remercier le colonel Madi Doumbouya, qui est venu aussi euh, euh, renouveler okay, l'amitié, la fraternité avec la Guinée. Et je pense d'ailleurs que c'est beaucoup salué partout en Afrique, même, si, même ici en Europe, c'est salué parce qu'on suit à la lettre les mouvements euh, ma, guinéo-maliennes, on suit à la lettre. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas euh, être long. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On verra bien la suite des choses en République de Guinée et en République frère de Mali. Nous aimons les Maliens. Les Maliens aussi aiment la Guinée, effectivement. Même si, même si, même si, même si. Mais on reste des pays frères. Donc, mesdames et messieurs, je vous salue. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Et pour d'autres sujets, pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Vous partagez au maximum la vidéo. Vous qui allez suivre la vidéo après bye-bye. vive le travail, vive la justice, vive la solidarité, vive la république. et nous souhaitons eff effectivement une bonne transition pour notre pays, parce que vous savez que euh, 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 la transition, c'est euh, ok, c'est une période exceptionnelle, donc on doit éviter les querelles intestines qui ne pourront que desservir la cause de la nation. et on va aller euh, droit au but pour que nous puissions sortir enfin, ok, de cette euh, tracasserie politique en République de Guinée. Bye bye, prenez bien soin de vous, je vous aime.